las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera, ella está allá en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Báilame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tu río este calor de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida, la mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida, ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Moi qui pensais que tout ceci n'était qu'un rêve. Ah, je pensais que j'étais là-bas. Ah, allongée sur la plage. Ah, la plage. Ah, en mangeant une délicieuse pastèque. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ah, mais on dirait que tu as fait un gros pipi, mon chéri. Ah, et moi qui rêvais que je faisais une sieste allongée sur le sable. Ah, Vierge Marie, quelle habileté à manier les ficelles depuis là-bas. Sûrement dû avoir très peur. À tes souhaits, mon amour, mon dormeur, parce que tu as passé presque toute la nuit à dormir collé à moi, et ça, ça te plaît d'être collé. Et tu sais que moi aussi, j'aime ça. Oh. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? T'es trop petit pour comprendre que ça me désole de te laisser ici. Et si je restais? Et si je m'occupais de ce petit amour? Comment olvidarte si fragilmente dibujaste mi. Non, 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 non. Fais pas ça. Non, fais pas ça et. Oh, et puis, qu'est-ce qui te prend, Barbarita, de penser à ce type? Oh, n'y pense plus, n'y pense plus. Non, 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 non. Et puis, ce petit amour sera très bien dans cette belle maison. Il ne manquera de rien. Alors, Barbarita. Arrête de penser à ça et va-t'en, avant que ce petit amour te retourne le cœur. Je veux qu'elle se sente ici chez elle. Nous devons gagner sa confiance. Oui, le facteur affectif est fondamental. Entourée d'affection, elle pourra sortir plus facilement de son état d'évasion. Excusez mon retard. J'étais en train d'étudier un projet très important. Nous t'excusons. Nous étions en train de réfléchir à comment faire pour que cette pauvre Isabelle se remette de ce drame sans garder de traumatisme. Eh oui, Miguel, parce que la pauvre, elle est complètement perturbée. Elle a même perdu l'accent de chez nous. Mais bon, j'imagine que c'est à cause du choc qu'elle a eu, n'est-ce pas, Rolando? Excusez-moi, je crois savoir ce qu'on pourrait faire. On pourrait la sortir pour la distraire, lui faire visiter la ville, la promener. Je le fais, si vous voulez. Non, elle a besoin de se reposer. Et puis, ce ne serait pas très approprié de l'emmener se distraire. Elle doit être encore sous le choc de la mort de Rodolfo. Je ne crois pas, grand-mère. C'est peut-être un détail, mais quand je vois la façon dont elle s'habille, j'ai pas l'impression qu'elle est veuve. Enfin, je dis ça comme ça. Je crois plutôt qu'elle cherche à se dissimuler la vérité. C'est pourquoi nous devons être patients. Elle est désemparée. Le mieux, c'est de la laisser se reposer et, comme l'a dit Rolando, d'attendre qu'elle sorte de son état d'évasion. État d'évasion? Pourquoi, elle veut s'en aller? Oh, c'est comme ça, San Barbara. Et tu le sais bien, tu dois m'aider à partir. Et quoi qu'on me dise, je m'en vais. Oh, tu as vraiment un sale caractère. C'est encore moi qui ai dû débarrasser le petit déjeuner. Tu sais très bien que la patronne est très maniaque et qu'elle aime que tout se passe comme elle l'a décidé. Il faut que ce soit toi qui débarrasse et pas moi. Moi, je suis pas là pour débarrasser. Oh, arrête de te plaindre, Célina, s'il te plaît, aide-moi. Tu ne vois pas que le livreur qui nous a amené les courses s'est trompé et qu'il faut que je refasse une nouvelle commande?
Si tu fais ça, c'est parce que ce sont des radins. Ils sont pourtant très riches, mais ils ne veulent pas embaucher un majordome. Et regarde comme cette maison est sale. Il faut que ce soit moi qui fasse le ménage. Je vais jamais y arriver toute seule. S'il te plaît, Félicité, aide-moi. Et toi, pourquoi est-ce que tu t'en prends à moi comme ça? Et maintenant, il y a ces deux-là qui m'empêchent de sortir. Bon, moi je m'en vais, même si je dois me jeter du balcon. On est arrivé à la maison. Allons-y. Je n'ai nulle part où aller, Florent. Moi, je n'ai pas de maison. Je suis personne. Je suis rien connu. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive, Monsieur Gaëtan? Viviane, chérie. Ma fille la plus jolie, la plus mignonne. Tu es maintenant la fille que j'ai jamais eue, que j'ai plus, tu comprends? Bon, moi je m'en vais. Même si vous continuez à me saboter la vie, Sainte-Thérèse. Je m'en vais. Aïe, les Aristiguetta. Ce qui est sûr, c'est que la veuve joyeuse a changé beaucoup de choses. Ça fait longtemps que je ne voyais plus Raimundo à la maison. Et mon petit frère Miguel, qui d'habitude passe sa vie au bureau, vient prendre soin d'elle. Ne sois pas impertinente, Estella. C'est justement de ça dont nous avons besoin pour aider Isabelle. Elle a besoin de solidarité, d'une famille, et surtout que sa famille la soutienne. C'est exactement ça, Madame Bernarda. Ce petit ange sera soigné par tous les Aristiguetta. Oh, mais qu'est-ce qui tombe? Ne pleurez pas, Monsieur Gaëtan. Vous me rappelez mon père. Comment puis-je te dire ça? C'est le jour le plus triste pour Gaëtan. Oh. J'aimerais pouvoir vous aider. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait, ma puce. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi est-ce que tu parles avec Gaëtan? Et je peux savoir en quoi tu pourrais l'aider? Rien. C'est juste que Gaëtan pleurait et ça m'a rappelé papa. Et qu'est-ce qu'il a, le portugais? Je ne sais pas, il disait des choses bizarres. Il disait qu'il avait une fille ou qu'il n'en avait pas et que moi j'étais comme sa fille. Oh maman, je n'ai pas tout compris. Excuse-moi, je monte dans ma chambre. Gaëtan, il est arrivé quelque chose au portugais. Et moi, je vais trouver ce que c'est. Pardon, c'est que... En fait, je cherchais un avocat. Oui, parce que j'avais très envie d'en manger un. Oh. Un avocat? Tu ne t'es pas cassé quelque chose? Aïe, oh. Aïe, j'ai mal partout. Aïe. Ne bouge pas, Isabelle. Tu es sûre que ça va bien? Rolando, il vaut mieux que tu l'examines. La chute a été très violente. Oui, oui, tout de suite. Voyons. Attention, attention. Merci. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Estella, prête-lui une de tes robes, s'il te plaît. Bien, grand-mère. Isabelle a un style vraiment très particulier pour chercher des avocats. Vous ne trouvez pas? Un style unique. Décidément, ma chère belle-sœur a un style unique. J'espère bien que cette situation est exceptionnelle, Gaëtan. Parce qu'en aucun cas, je n'accepterai qu'un vieux débris comme toi rentre à la maison tous les matins, complètement saoul. Dis ce que tu veux, mais s'il te plaît,
parle moins fort. Oh, non, ce n'est pas vrai. Non, 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 non. Après ce que tu as fait, tu veux jouer les victimes. Nina. Où est-ce que tu as passé la nuit, Gaëtan, hein? S'il te plaît, moins fort. Qu'est-ce que tu as dit à Vivi? Fiche-moi la paix. Nina, juste une fois, fiche-moi la paix. Je vais te prescrire un calmant, Isabelle. Tu es trop nerveuse. Docteur, il faut te calmer. S'il vous plaît, vous devez m'écouter. Ce qu'il y a, c'est que... Écoutez, je ne suis pas là... Bon. Pardon. Tenez, Madame Isabelle, c'est de la part de Madame Estella. Merci. Permettez. Tu disais, Isabelle ? Non, ne m'appelez plus comme ça. Je ne suis pas Isabelle. Et cet enfant n'est pas mon fils. D'accord, Isabelle, mais calme-toi, ok ? Docteur, s'il vous plaît, écoutez-moi. Ça se voit que vous êtes un homme sérieux. On me confond avec quelqu'un. Je ne suis pas Isabelle. Et bon, j'ai sauvé le garçon, mais je ne suis pas sa maman, vous comprenez ? Ok, mais si tu n'es pas Isabelle, merci. Qui es-tu ? Merci, Sainte Vierge, enfin quelqu'un qui m'écoute. Écoutez, docteur, je suis... Vas-tu te taire, fille des marais ? Isabelle ! À partir de maintenant, tu t'appelles Isabelle ! Grand-mère, mais qu'est-ce que tu fais ici ? Oh. Dis grand-mère, dis au docteur que je ne suis pas celle qu'il pense, que je... Grand-mère ? Quelle grand-mère, Isabelle ? Tu te sens bien ? Non. Ça va pas. Vous avez raison. Je suis en train de devenir dingue. Bonjour, Madame Nena. Vous désirez ? Où et avec qui Gaëtan était hier soir ? Avec moi, Madame Nena. Arrête de faire l'imbécile, s'il te plaît. Tu sais exactement que j'attends une autre réponse. Où et avec qui Gaëtan était hier soir ? Ça ne va pas être possible de vous répondre, Madame Nena. Ah, ce n'est pas possible de me répondre. Alors, tu vas immédiatement prendre toutes tes affaires et quitter cette maison. Je te mets à la porte. Dépêche-toi ! Va-t'en ! Tu n'as pas entendu ? Tu es virée à la porte ! Nena, Florent travaille pour moi et il reste. Tu es en train de contredire mes ordres, Gaëtan ? Je ne contredis jamais tes ordres. C'est toi qui commandes, Nena. Mais dans ce cas, ce sont mes ordres qui comptent. Florent travaille pour moi et il reste. Je ne veux pas discuter de ça avec toi. Allons-y, je suis pressé. Merci, patron. Allez. Je suis pressé. Arrête! Ne pleure plus. Ne pleure plus, mon chéri, ne pleure plus. Allez, Trinidad, sois courageuse. Personne ne doit savoir que Barbarita est vivante. Même si je vois la douleur de mes enfants, même si je les vois pleurer, c'est pour le salut de Barbarita. Nous, les Guaramato. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut que je tienne. Pour nos Personne frères défunts. Personne ne doit savoir. Et pour tous ceux Personne, qui sont morts. Personne, Trinidad. Nous allons prier tous ensemble pour la plénitude éternelle de ta gloire. Pas comme ça, Gabi. Tu es vraiment trop lente pour ce jeu. Bouge tes doigts. Mais Valentina, laisse. Donne-moi Valentina, ça. Valentina, donne Valentina. Valentina! Donne-le-lui, hein! Donne-le-moi! Valentina! C'est moi qui l'avais! Alors, on ne fait pas un bisou au grand chasseur? Hier, j'ai traversé la ville, et je suis monté jusqu'à la montagne, et je me suis battu avec 10 000 monstres! Et je les ai tous vaincus, comme ça! Pas, pas! Et regarde ce que j'ai ramené pour ma princesse. Hein? Le perroquet que tu voulais. Il te plaît? Il est beau, mais... Papa, tu es enfin venu à mon école! Parce qu'en contemplant ce que tu es, Seigneur, nous serons pour toujours semblables à toi. Et nous chanterons
éternellement tes louanges. Pour le Christ, notre Seigneur, qui donne au monde tout le bien, donne-lui, Seigneur, le repos éternel. Et que brille pour elle la lumière éternelle. Repose en paix. Amen. Silence! Que ces tambours se taisent! Papa, non, papa, non! On prépare du crabe. Du crabe? Mais c'est génial, c'est un de mes plats préférés. Ah, s'il vous plaît, mettez-les dans la marmite et je vais vous montrer comment on prépare le crabe dans ma région. Ah, parce qu'à Bogota, on mange beaucoup, beaucoup de crabe. Bien sûr, du crabe, on en mange partout dans le monde. Ah. Écoute, la première chose que l'on doit faire, c'est de trouver des fleurs et des feuilles de palmier très grandes pour faire une belle décoration. Hein, c'est ça, bébé? Une décoration? Non, 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 écoutez... Ça ne plaira pas, Madame Bernarda. Elle est en deuil, vous savez, à cause de votre mari. Ah, non, 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 non. Personne ne doit être triste dans cette maison. Écoutez, nous allons mettre quelques gouttes de chlore dans ces salades. Et ces beaux crabes, nous allons les faire tremper dans de l'eau vinaigrée. Parce qu'ils sont pleins de petites bêtes invisibles qui ne se voient pas. Mais le vinaigre, pouf, les fait courir. Et si elle voit quelqu'un de triste dans cette maison... Elle lui sort le nez avec la pince. Repose en paix. Dépêchez-vous, il se fait tard. Ephraim Melendez, repose en paix. Parce que je te jure sur mon âme... que tes assassins vont payer. Je te le jure, papa. Mais c'est quoi, ça? Je ne sais pas, maman. Nous avons dû nous tromper de maison. Ah, je ne sais pas quoi dire. Il y a de jolies couleurs. Qui a fait ça? Isabelle. Mais il doit bien y avoir une explication. Oui, et cette explication a un nom. Isabelle. Oui, bien sûr, mais c'est un peu exotique pour un deuil, non? Qu'est-ce que ça signifie, Rolando? Pourquoi elle a fait ça? Intégration. Elle veut se faire accepter. Oh, très bien, il ne manquait plus que ça. Voilà qu'à présent, tous les Aristigueta font de la psychologie de bas étage. Emma, s'il te plaît. Tu as entendu, Rolando. Nous devons faire preuve de patience. Allez, s'il vous plaît, asseyez-vous. Très bien. Si c'est comme ça qu'elle décore les tables, je n'ose imaginer comment elle sera habillée. Mesdames et messieurs, voici les crabes. J'espère que cela vous plaira. Qu'elle ne trouve jamais la paix, même sous terre. Sale type, tu m'as fait tes parents, ma sœur! Arrête, papa, s'il te plaît, non! Respecte la tombe de ma sœur, Wilfried! Non, s'il te plaît, ma tombe de ma sœur, je vais te tuer! Je vais te tuer, Wilfried! Je dois le tuer! Non, pour ta sœur! Je vais te tuer, maman, je dois le tuer! Non! Ta sœur vivante! Ta sœur Barbarita est vivante! Quoi? Qu'est-ce que tu dis, maman? Répète! Oh, mon amour, je te le dis! Elle est vivante! Mais ne le dis à personne et partons d'ici! Allons-nous-en! 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 Allons-y! On s'en va! Allons-nous-en! Brouillard! Je lâche! Tu ne pourras pas m'échapper! Ça ne va pas en rester là, vous m'entendez? J'ai enterré mon père! Mais ma vengeance, je ne vais pas l'enterrer, espèce de salaud! Laisse tomber, il n'en vaut pas la peine. Et voilà, avec une petite crème d'avocat, ce sera encore meilleur. Assieds-toi, Isabelle. Allez, arrête de servir et assieds-toi. Et comment ça se mange, ça? Ah, regarde, ça se mange comme ça. C'est bon, très bon. Délicieux, Isabelle. Je n'avais jamais mangé du crabe de cette manière. Curieux, mais délicieux. Heureusement qu'Isabelle se sent bien.
Au fait, Miguel, que faisais-tu hier soir dans la chambre d'Isabelle? Isabelle avait de la fièvre, alors je l'ai aidée. Ah, tu aurais dû appeler Rolando. Enfin, je pense. Oui, parce que toi, en premier secours, d'après ce que je sais, tu n'y connais rien. Pardon, je corrige. Tu n'y connaissais rien. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, Madame Emma. Mais la prochaine fois, si vous êtes devant ma porte, entrez. Miguel ne faisait que m'aider. Ne t'en fais pas, Isabelle. La seule chose que nous voulons, c'est que tu te sentes ici comme chez toi. Oui, Isabelle, que tu te sentes comme si tu étais à Bogota avec ta famille. Moi, j'ai perdu l'appétit. Pas moi. Déesse de la rivière, grand esprit de la nature, esprit du règne animal, pouvoir du feu, grand seigneur de tous les cieux, notre mère la terre, esprit qui nous guide. J'implore la permission de rendre à l'eau ce qui appartient à l'eau et à la terre ce qui appartient à la terre. Je vous demande d'ouvrir vos portes pour recevoir votre fille. Il faut que je la retrouve rapidement. Si je n'ai rien pu faire pour ma fille, au moins je veux faire quelque chose pour elle. Et pour qui, monsieur? De qui vous parlez? De Trinidad. Je dois retrouver Trinidad. Barbara Guaramato, tu es maintenant dans l'autre monde. Maman, protège ceux qui restent et guide-nous vers le bon chemin. Protège et prends soin où qu'elle soit de ta petite fille Barbarita. Nous, les Guaramato, nous sommes forts. Et si nous voyons la douleur de nos fils, nous devons la supporter, même si nous les voyons pleurer. Je sais que c'est pour le salut de Barbarita. Personne ne doit savoir qu'elle est vivante. Pour que cette terre bénie t'accompagne sur ton chemin. Pour que cette terre bénie t'accompagne sur ton chemin. Pour que cette terre bénie t'accompagne sur ton chemin. Tu m'as tendu une bonne perche, hein, Sainte Thérèse. Hein? Hé, pourquoi est-ce que vous lavez ça à la main, dites? Ici, on a un lave-linge. Non, laissez ça, Non, Célina, j'aime bien laver mes affaires.
Au fait, est-ce que tu pourrais me prêter un de tes uniformes, s'il te plaît? Bah, comme ça, je pourrais laver cette robe qui est plutôt sale. Et puis, je la mettrai à sécher sur le rebord de la fenêtre. Mais c'est pas la peine, on a aussi un sèche-linge. Et puis surtout, ne mettez rien à sécher sur le rebord de la fenêtre. Sinon, c'est l'infarctus assuré pour Madame Emma. Mais je vais vous prêter un uniforme, j'en ai un dans ce placard. D'accord, voilà. Prête-le-moi. Vous allez mettre ça, ça ira. Mais venez, laissez ça. Venez, je vous explique tout. Venez par là. Écoutez. Vous prenez cette lessive et vous mettez une dose. Mais une seule. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur ce bouton et sur celui-là. Et c'est tout. Ah mince. Allez-y, allez-y, je vais ouvrir. C'est tout? Apparemment, il n'y a rien de plus facile. Ah, attends, je sais. Je vais mettre un peu de musique parce que travailler sans musique pour moi, ça, c'est pas possible. Hein. Allez hop, c'est parti. Que vive la salsa! J'ai mis tout le savon qu'il y avait. Voilà, bon. On ferme comme ça. Voilà. Voilà. Alors, on quitte le village. Oui, pour un long moment. Tabata, Grégory, occupez-vous des affaires et de la camionnette. Il est où, Jean de Dieu? Allez, dépêchez-vous, la nuit va bientôt tomber. Allez! Maman, pourquoi est-ce que tu ne nous as rien dit? Pourquoi t'as laissé papa pleurer ainsi que tous les autres et t'as rien dit? C'est parce que je ne pouvais rien dire, Climaco. Personne ne doit savoir que Barbarita est vivante. Tu t'imagines ce qui se passerait si Wilfried devait la retrouver? D'accord, mais alors qui est-ce qu'on a enterré? Ah, eh bien, je suppose que c'était la maman de l'enfant que Barbarita a sauvé, mais je n'en suis pas sûre. Climaco, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais seulement que nous avons enterré cette fille, que nous avons prié. Et qu'après, le père l'a bénie, voilà. Et alors, nous aussi, on va aller à Caracas vivre avec Barbarita? Écoute, mon chéri, je ne sais pas, tout est si compliqué. Je sais seulement que ma vie a changé. Maman, la vie a changé pour nous tous. J'aimerais savoir. Tu as bien dit à papa que Barbarita n'était pas sa fille? Tu lui as dit, n'est-ce pas? Pour moi, Jean de Dieu est mort. Encore un peu? Ouais, ouais. Ah, merci, mon ami. Merci. J'ai perdu ma fille adorée. Jamais Trinidad ne me le pardonnera. Comment veux-tu qu'elle te pardonne, Jean de Dieu? Tu jures, tu fais des promesses que tu ne tiens pas, et maintenant, elle ne te croit plus. Elle s'est fatiguée, Jean de Dieu. Trinidad s'est fatiguée. Attention. Écoute, tu devrais aller à l'hôpital. Le Portugais qui est venu hier, il aurait pu t'y emmener, lui. Mais de qui diable est-ce que tu parles? Réponds-moi, Crispulo. De quel Portugais est-ce qu'il me parle? Réponds-moi! Et où tu vas la retrouver? On finit par ne plus vous comprendre. Vous voulez ou vous ne voulez pas? Retrouver Trinidad m'apporterait la tranquillité dont j'ai besoin. Ou tout le contraire. Qui sait, si vous n'allez pas vous fourrer dans un guépier gros comme ça? Parce que vous ne savez pas si la Trinidad vous a gardé une petite place dans son cœur. Je ne crois pas. Ce genre de choses n'arriverait pas à un nul comme moi, trop sentimental.
Non, ne croyez pas ça, parce que ce que je vais vous dire est de source sûre. Je sais que depuis que Trinidad s'est remise avec Jean de Dieu, ça ne colle plus. Qui te l'a dit, Florent ? C'est Jean de Dieu qui me l'a dit. Oui, ça me fait mal de vous dire ça, mais... Mais c'est un secret pour personne que mon meilleur pote est un bon à rien. Et je suis convaincu qu'après la toute dernière maladresse qu'il a eue avec elle, eh bien, elle l'a envoyé définitivement balader. Eh bien, Monsieur Gaëtan est subitement apparu, Jean de Dieu. Ah ouais ? Et il cherchait quoi ? Eh bien, c'est Florent qui l'a amené et il cherchait Trinidad. Isabelle ? Isabelle, quel spectacle, hein ? Ah, Raimundo, je veux dire monsieur, non, ah, oh Vierge Marie, quel désastre ! Oh, pas de panique, et puis tu peux m'appeler Ray, d'accord ? C'est que j'étais distraite et je me suis pas rendu compte. Oh, oh là là, toute cette mousse ! Oh, qu'est-ce que je fais moi maintenant ? Ah, qu'est-ce que je dois faire là ? Je vais t'aider, Isabelle, d'accord ? Je vais t'aider. Ah ! Aïe ! Ah ! Monsieur Raimondo ! Ah ! Monsieur Raimondo ! Aide-moi ! Aide-moi ! Aide-moi ! Aïe ! Aïe ! Qu'est-ce que c'est drôle ! Ça va ! Isabelle ! Ah ! Toute cette mousse ! Qu'est-ce que vous faites, Raimondo ? Isabelle, qu'est-ce qui se passe ? L'un de vous peut-il m'expliquer ce qui se passe ici ? Je pense qu'il faut très rapidement organiser une cérémonie de fiançailles entre Raimundo et Viviana. C'est le seul moyen que nous ayons pour obtenir les actions de Bernarda. Oh, mais je sens que la petite veuve peut venir gâcher tous nos projets. Mais pourquoi Rodolfo s'était marié avec une noire ? Tu es sûre que cette femme est la veuve d'un Aristiguieta ? Eh bien, moi je n'en suis pas très sûre, à vrai dire. Mais l'enfant est comme Rodolfo. Il a la même tache de naissance. Oh. Je ne sais pas. Mais le problème, c'est que, et c'est ça le pire de tout, c'est que Bernarda, Nena, elle est très satisfaite de cette petite Isabelle. Emma, allons à l'essentiel. Raimondo est heureux avec Vivi, et Vivi est heureuse avec Raimondo. Alors ne perdons pas de temps, organisons la cérémonie et trouvons une date, ça te convient ? Ah, oui, oui. C'est le jour le plus triste pour Gaëtan. Viviana, qu'est-ce qu'il y a ? Tu te sens mal ? Je ne sais pas, Nati, mais je viens d'avoir une vision de mon papa. Je crois que... Je commence à me souvenir de sa maladie. C'est sérieux ? Oh non, Vivi. Bien, je voulais te demander, tu en es où avec Raimundo ? Est-ce que tu vas te marier ? Ça y est, vous vous êtes fiancés ? Oui. Oui, c'est génial. Oui, je vais me marier. Enfin, je vais partir de chez moi. J'étais en train de laver mes vêtements ainsi que ceux du bébé parce qu'on n'a vraiment plus rien à se mettre. Et bon, comme ici, vous lavez tout avec ces appareils, et ben, j'ai renversé le savon et voilà ce qui s'est passé. Je comprends. Qu'est-ce qui se passe ici, hein ? Un accident ménager. En fait, Isabelle voulait laver ses vêtements et elle a mis trop de savon, alors j'ai voulu l'aider et nous sommes tombés. Mais rien de grave, hein, grand-mère, rien de grave. Vous en faites pas, Madame Bernarda. Je vais tout de suite tout nettoyer, non, vous savez. Non, laisse ça, jeune fille. Célina va s'en occuper. Va te changer, tu es toute trempée. Tu as eu de la fièvre. Allez, va te changer. C'est vrai, Isabelle, on a pris un bon bain. Avec votre permission. Elle découvre la maison, grand-mère. C'est du boulot de prendre soin de sa belle-sœur, non ? Réponds, s'il te plaît. Non. Oh, ils sont pas encore arrivés. Célina, fais taire cet enfant, il m'énerve. Il me fatigue, fais-le taire une bonne fois pour toutes. Mais Madame Emma, je vous jure,
J'essaie de le faire taire, mais il n'y a rien à faire. Je t'ai déjà dit que je ne le supporte plus. Ou tu le fais taire, ou tu vas chercher sa mère pour qu'elle le calme. Sinon, je te jure que je le baïonne. Oh non, Madame Emma, ne faites pas ça. Il est déjà très énervé. Mais tu ne comprends rien. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Ne pleure plus, bébé. Grand-mère, j'ai toujours respecté tes désirs. Mais parlons-nous franchement. Cette femme, Isabelle, avec sa fraîcheur et sa naïveté, elle... Beaucoup trop vulgaire pour être la femme de ton frère. Oui, 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 mais c'est aussi une bonne mère. Et une personne bien. En plus, tout est en train de se compliquer. C'est en train de se compliquer parce que Raimundo la désire. Ou bien alors c'est moi qui me fais des idées. Ce qui me préoccupe le plus, c'est que Raimundo ressemble de plus en plus à Rodolfo. Mais qui parle ? Miguel le gérant ? Le frère ? Ou l'homme ? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de bizarre entre Raimundo et Isabelle ? Oh non, mais c'est quoi ces cris ? Félie ? Oui, Félie ! Je veux essayer le nouveau traitement pour les cheveux. Félie ! Fais taire cet enfant, je ne le supporte plus. Je te dis que je ne le supporte plus, fais-le taire ou ça va mal finir. Je vous conseille de ne pas toucher à cet enfant, Madame Emma. N'y pensez même pas. Donne-le-moi, Célina. Et puis je vais vous dire, si nous vous dérangeons autant que ça, on rentre tout de suite dans les marais. Mais ne tentez pas de poser la main sur lui, jamais. Je t'ai posé une question, Miguel. Je crois que ce verre peut attendre. Il n'y a rien, grand-mère. Je n'ai rien vu d'anormal entre deux. Ah, alors ça te paraît normal que Raimundo, qui n'est jamais à la maison d'habitude, y soit tout le temps? Ça ne veut rien dire. Si, ça veut dire qu'il a changé, qu'il est devenu casanier, attentionné, suspendu à notre Isabelle. Où veux-tu en venir? Isabelle est la veuve de ton frère. Je veux que tu en tiennes compte. Et Raimundo? Sois tranquille. Sois tranquille, je sais ce que je dois faire. Ah, Félie, va dans ça, il y a beaucoup de fumée. Tu devrais garder tes boucles, Estella. Elles te vont très bien. Je ne comprends pas quelle est cette manie de te lisser les cheveux. C'est parce que je déteste ces boucles. Je les déteste. Oh, oh. Laisse-moi lire. Ça va. Là, ils disent... Après avoir bien étiré les cheveux, il faut mettre toute la boue dessus. Alors vas-y, mets toute la boue. Vas-y, mets tout. C'est pas grave. Allez, vas-y, n'hésite pas. Sainte Vierge, je le fais. Dis-moi, tu n'as pas l'impression que... Attention. Tu n'as pas l'impression qu'Isabelle a parlé durement à maman à propos du petit David ? Écoute, Estella, je ne sais pas, mais je trouve que cette boue est très chaude. Et surtout, je trouve que tes cheveux sentent le brûlé. Tu sens ? Ah, Félie, c'est pas grave, parce que pour être belle, il faut souffrir. Demain matin, je compte bien être la plus extraordinaire des blondes. Cameron Diaz pourra aller se rhabiller. Je te le souhaite, ma belle. Comment cette femme a-t-elle osé me parler comme ça ? Elle m'a menacée, moi, dans ma propre maison. Oh, Isabelle, tu ne me connais pas. Tu ne sais pas qui je suis. Ah, enfin, te voilà. Ça fait bien une heure que j'attends qu'on m'apporte ma tasse de thé. Oh, non. Alors bouge, fais quelque chose. Mais ne vous en prenez pas à moi, madame. Ce n'est pas de ma faute. Chut. Va travailler. Célina. Oui, madame. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire quelque chose en plus. Je serai augmentée ? Écoute-moi bien. À partir d'aujourd'hui, tu vas surveiller Isabelle. Chacun de ses mouvements. Surveille qui elle appelle, avec qui elle parle, ce qu'elle dit. Je ne veux pas que tu la quittes une seule seconde, tu entends ? Mais enfin, madame, avec tout le ménage et le petit... Précisément. À propos du garçon, tu dois être la seule à t'en occuper. Sous aucun prétexte, je ne veux que Félicité touche cet enfant. C'est compris ? Si tu ne le fais pas, je te promets que tu te retrouveras à la rue. C'est compris ? Oui, oui. C'est très clair, Madame Emma, très clair.
Mon Dieu, quand est-ce que je gagnerai ça à la loterie? Tonya! Comment vas-tu, Tonya? Je vais très bien. Ah, bien. Nous, les Blancos, nous sommes là parce que nous avons besoin de ton aide. Avec tout ce bazar? Mais Tata, vous n'allez pas nous tuer pour ça, pas vrai? Non! Comment tu peux penser ça, non? Mais vous allez devoir passer par derrière pour que les patrons ne vous voient pas avec toutes vos affaires, hein? Est-ce qu'on vous ferait honte, Tante Tonya? Tabata, si Tante Tonya dit que nous devons entrer par derrière, nous entrerons par derrière. C'est tout. Bon, allons chercher les affaires. Merci, Tonya. Attention. Eh bien, on dirait presque que vous avez amené tout le village avec vous. C'est que nous avons tout perdu, Tata. Et on n'allait pas laisser le peu d'affaires qui nous restait. Oh, maman, j'ai sommeil. Oh, maman, j'ai sommeil. Viens par ici, mon amour. Viens, viens, viens par ici, mon Grégory. Allonge-toi dans le sofa. Vas-y, mets-toi là pendant qu'on range toutes les affaires. Écoute, mon amour, la maison de ta tante est comme ta maison. Merci, Tata. D'accord? Alors, sois pas triste. Tata, où est-ce que je peux mettre tous ces cartons? Dans ma chambre, Climaco. Rangez toutes vos affaires dans ma chambre. Allez. Ok. C'est gentil, mais nous ne voulons pas te déranger, Tonya. Vraiment. Trinidad, tu es la femme de mon frère, ma chérie. Et la famille, c'est pour le meilleur et pour le pire. Alors maintenant, c'est la maison des Blanco. Et on va trinquer, il faut fêter nos retrouvailles, ma chérie. Pour ma belle-sœur, ma nièce et mes neveux. Tu en veux? Non, non. Isabelle, pardonne la nervosité d'Emma. Tu as bien fait de défendre David, ça prouve que tu as beaucoup aimé mon petit-fils, Rodolfo. C'est que je ne supporte pas qu'on maltraite les enfants. Toi, tu as un cœur de mère. Tu n'imagines pas comme je suis contente que tu sois venue vivre ici. Je sens que Rodolfo continue à être dans mon âme. D'une manière ou d'une autre, je pense qu'il est près de moi parce que tu es là. Merci. Mais... À propos, j'ai toujours pensé que Rodolfo donnerait son propre prénom à son premier fils. Pourquoi lui avez-vous donné ce prénom? Quel prénom? Comment ça, quel prénom? Tu ne sais pas comment s'appelle ton fils? Tu vas me dire tout de suite ce qu'il y a entre Isabelle et toi ou je te casse la figure! Qu'est-ce qu'il y a entre vous deux? Negro blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas. Es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. Él es el amor que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.